Gentelet s'est éteint à 69 ans. Retour sur son histoire d'amour avec Miu Miu Diaporama. Mardi 18 octobre 2022, Gentelet est mort à Paris des suites d'une intoxication alimentaire après un repas dans un restaurant. Avant de s'éteindre, l'écrivain de 69 ans était en couple avec l'actrice Miu Miu. Triste nouvelle dans le milieu littéraire, Gentelet, prolifique romancier, a succombé à un arrêt cardiaque consécutif à une intoxication alimentaire après un repas dans un restaurant à Paris. L'auteur du Montespan laisse derrière lui sa compagne, l'actrice Miu-Miu, dont il a partagé la vie pendant 24 ans. Sylvette de son vrai nom, a rencontré l'auteur et homme de télé en 1998, chez Jean-Pierre Koff. L'écrivain et le célèbre critique gastronomique, tous deux chroniqueurs à Canal ⁇ se sont liés d'amitié en se fréquentant dans leur et où ils possédaient chacune une maison. Jean Tellet, qui avait le béguin pour l'actrice depuis sa jeunesse, ne l'a d'ailleurs pas reconnue tout de suite, lors de cette occasion à Lanneray, près de Châteaudun. Je disais à tout le monde quand le film est sorti que la femme de ma vie, c'était la meuf des valseuses, aurait-il d'ailleurs affirmé, d'après des propos rapportés par le Parisien, mercredi 19 octobre 2022. Grand ami de Jean-Paul Gautier. Malgré leurs vingt ans de vie commune, Jean Tellet et Miu Miu ne se sont jamais mariés. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin, avait expliqué la comédienne auprès de Gala, le 13 août 2020. Le couple a tenu à garder le mystère sur leur vie privée, en comparaison avec les précédentes idylles très médiatisées de l'actrice. Niumiou a été la compagne de Coluche, en 1968, puis a partagé la vie de l'acteur Patrick de Waer, le père de sa fille Angèle. Muse de ma préférence, la bretonne a ensuite vécu une histoire avec Julien Claire, Rencontrée sur le tournage du film d'Amour et d'Eau fraîche. Auprès de son compagnon Jean l'actrice de 72 ans consacrait la moitié de l'année à sa maison de campagne en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Le couple apparaissait à de rares occasions ensemble, notamment au défilé de Jean-Paul Gautier, dont le romancier était un grand ami d'enfance.